Peut-être que vous n'êtes pas la DAP. Moi, je peux être d'accord avec vous d'une manière où, vous avez, si vous avez transféré, peut-être qu'il n'y aura pas une DAP. Vous savez, la date en fait exacte n'est pas là. Ça, c'est logique. Si ce n'est pas dans le vrai téléphone. On est d'accord? On est d'accord? Oui, oui. J'arrive. Allez, il faut démuter le micro. Est-ce qu'on est d'accord? Si j'envoie des données en dessous. Même si tu transfères les dates, ça reste. Solano, je suis d'accord. N'importe quelle date qu'il donne, moi, je parle du contenu. Des audios, c'est le plus important pour moi. N'importe quelle date que Hadji va donner, je suis d'accord. Mais le contenu des audios, c'est le plus important. Oui, mais voilà. C'est important aussi, les dates sont importantes. Voilà. Non, lui-même, il dit qu'il a les dates, il m'a envoyé. Je prends ces dates. Mais le contenu des audios, c'est le plus important. D'accord, on arrive, on va faire ça. Moi, je sais comment j'ai transféré mes audios. Tout est là. Madidi, Narana B, même tes amis avec qui tu ris. Et bring audio Nabi, mon gars. Arabidi. Non. Moi, je Arabidi, te dis. Arabidi. Pas à pas. Arabidi. Où les mots doux. Arabidi, il n'y a pas de problème. Pourquoi un bébé dans le corps de la nutrition, tu peux enregistrer les gens et vendre ça au CNRD. Rendu M. Pivi en prison aujourd'hui, certes, il a soit gagné de l'argent, soit il n'a pas gagné. Est-ce que agi devant 3100 personnes, est-ce que vous avez reçu même 10 000 francs envers en fait, la famille en fait, de Colonel Pivi? Oui ou non? Jamais je n'ai pas vendu Pivi, moi. Jamais. Alors, M. Ansou, vous battez quoi pour dire qu'il a vendu Pivi et la somme 300 millions, c'est où? Jamais. Mais moi, j'ai joué l'audio. D'abord, les deux. Qu'il prouve que j'ai reçu 300 millions. Qu'il prouve. Calme-toi, écoute ici, Hadji. On écoute. Hadji, on te connaît, calme-toi. Hadji, oui. Écoute-moi. Hadji, tu fais quoi à Dakar? Tu as quel boulot? Tu penses que moi je vais m'asseoir comme un enfant comme toi de dire aux gens ce que tu fais? C'est-à-dire quand tu parles, tais-toi. Hadji, tais-toi. J'ai d'autres audios ici, Hadji. Écoutez, tais-toi. Ne me pousse pas à te faire descendre encore. Ne me pousse pas à te mettre encore. Aramini. C'est-à-dire, à ta place, tu dois avoir honte. Aramini. Monsieur Ansou. Si tu ne fais pas, Rabembira. Agi, je vous en prie. Il est important de s'écouter. Monsieur Ansou a pris son temps. Il torche ses paroles. Non, tu n'es pas. Pas en train de faire de la. Je n'ai pas partiel. Non, mais Alougo. Non, mais je suis pas Alougo. J'ai posé une question. C'est lui qui est en train de. Ne pose pas la question à M. Ansou. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Laisse-moi. Non, je lui ai demandé. Moi, j'ai mes dates. Monsieur Ansou a demandé, est-ce que c'est toi qui envoies les audios? Attends, Solano, oui. Demande-lui si c'est lui qui parle ici ou si c'est pas lui. C'est tout ce que moi je veux savoir. Mais c'est moi qui parle. Tu veux que l'enfant les récolte de moi? Moi, c'est le plus important. C'est les Guinéens qui jugent. Moi, j'ai pas besoin. Si tu dis que tu reconnais que c'est toi, les Guinéens vont juger. Les intellectuels ont compris. Non. Le reste, là, j'ai pas besoin de te prouver. Faux communicant. Non. On t'a déjà prouvé, tu as reconnu que c'est toi, c'est le plus. Les Guinéens vont juger à partir des audios. Tu as reconnu les audios, c'est le plus important, Hadji. La date n'a pas d'importance. Tu as reconnu l'audio que c'est toi. Voilà. Tu as reconnu les audios, c'est toi, c'est le plus important. Tout à l'heure, l'audio que j'ai reçu, la date qui se trouve sous les deux audios, le premier audio, en fait, c'est le 16 novembre 2023. À 8h. Je prends toutes les dates. 14. Je prends toutes les dates. Écoute ici, Solano. Oui. L'important pour moi, c'est le contenu. Non, attends. Oui. L'important pour moi, Hadji l'a dit devant tout le monde qui m'a envoyé. Solano, montre les dates. Je prends toutes ces dates. Montre les dates à la fin. Non. Écoute ici. Mais c'est pas à toi, je parle. Il va pas manger ton piment dans ma bouche. Donc, voilà. Calme-toi. J'ai dit Solano. Mais voilà. Solano, dis-lui qu'il va pas manger son piment dans ma bouche,
s'il a déjà reconnu les audios, moi, mon boulot, c'était ça. C'est de montrer à la face du monde qui il est, son rôle, c'est quoi. Déjà, c'est fini. La date, là, j'ai pas besoin. C'est ça aussi mon secret. C'est ça aussi mon secret. Merci, on peut s'écouter. Alors, tout à l'heure... C'est ça aussi mon secret. Voilà. Tout à l'heure. C'est ça aussi mon secret, je le dis devant tout le monde. L'important que tu as reconnu que les audios, c'est authentique, c'est déjà fini. D'accord, mais il a avoué, hein, depuis le début. Non, c'est non, s'il a avoué, ça va. Le public peut juger, ça va. Faut zoomer. S'il a déjà reconnu, approche, ça va. Approche, pour que les gens voient. Alors, la date est là, le 16 novembre 2023, 2014. Maintenant, clique sur l'audio, que ça joue. Clique, non, on va cliquer sur l'audio. Un mytho. Non, mais on le laisse... Attends, qu'est-ce que tu veux? Attends, Solano, dis-lui le contenu des audios, c'est le plus. Il approuve ça, ou il n'approuve pas? Ça fait partie. Moi, voilà. Moi c'est fini, je n'ai pas besoin de date. Mais là, on écoute. Attends, Solano. Oui. Est-ce que le gars, il est conscient de ce qu'il est en train de dire? La date n'a pas d'importance, mon gars. Ça fait partie. C'est le contenu. Ta trahison. C'est ça. Solano, moi, je n'ai même pas le temps d'écouter ces bêtises, la date ou mais quoi. C'est quoi. Pas justement aussi. Non. S'il a déjà reconnu, moi, mon débat est terminé. S'il a déjà reconnu, moi, je pensais qu'il allait nier, mais le fait qu'il a reconnu, moi, je crois que je m'arrête là. Il peut continuer à parler maintenant. Les Guinéens ont déjà compris. Devant moi, il a reconnu. Je ne cherche pas à convaincre les êtres humains. Et j'ai joué. C'est Dieu que je cherche à convaincre. Il a trahi. C'est le plus important. Je ne cherche pas à convaincre les êtres humains. Est-ce que vous basez sur les audios pour dire qu'il a reçu l'argent, oui ou non? Il a reconnu tout. Oui, mais est-ce que vous basez sur les audios pour dire qu'il a reçu l'argent, oui ou non? Est-ce que c'est les audios? C'est les audios que vous faites dire en fait qu'il a reçu de l'argent. Il a reçu. Comment? Où est la preuve? Attends. Quand toi tu écoutes tes audios là. Non. Où est la preuve? C'est audio là qui est ton problème. Eh, Doudou, il est ballant. Mais où sont les preuves? Tais-toi. Non, le gars là est perdu, hein. Perdu. Tais-toi. Oh. Tais-toi. Vous n'avez pas un nouveau communicateur. Tais-toi. Il faut chercher un nouveau là. Tais-toi. Maintenant, il faut donner la position maintenant. Et puis vous, rien ne va vous arriver. Et puis on va vous donner la récompense là. Ah. Je vous le jure, mon frère. Ah. On ne peut pas monter la position, quoi. On ne peut pas monter la position. Sinon, si vous proposez, parce que c'est l'autre logique, on va se faire comme ça. Là. Sinon, ici, le gouvernement va nous faire quelque chose d'autre. Voilà, ça, c'est risquant. Donc, si vous payez 300 millions, là, si vous payez 300 millions, mon gars, on ne va même pas dire ça, mais ça, c'est très simple. Ouais. Parce que tout ce qu'on fait, quoi, c'est nous, c'est nous, ce qu'on a à faire. Mais si on va se comprendre, ça ne va pas marcher. Donc, si vous payez 300 millions, non, on va. Ouais, mais si moi je paye les 300 millions, quelle est la garantie que vous allez montrer la position? Il n'y a pas de garantie. Garantie? Non. Il y a garantie, mais il faut payer seulement les 300 millions. Quand tu payes ça, on va montrer le garantie. Il faut seulement déposer l'argent. Non, c'est non. Très simple. Non. Aujourd'hui, Je suis à mon forêt sacré. Wallahi, si tu vas montrer 300 millions, mon gars, faut même pas t'inquiéter. Non, moi je n'ai pas de garantie pour ça. Aujourd'hui, tu m'as appelé, tu as dit que vous avez des gens dans le coin, hein, et puis tu es parti, l'autre est parti faire le retrait, l'autre aussi est parti. Maintenant. Moi, je ne peux pas donner 300 millions, on n'a pas la position. Nous, on veut la position. Vous comprenez? Si vous payez 300 c'est ça que moi, je suis à mon forêt sacré. Si vous payez 300 millions, c'est très simple. Ici, on est comme ça, c'est nous qui sommes tous ces problèmes. Ce n'est même pas un problème. Si tu payes ça, mais vous avez risqué depuis le début. Hein? Vous avez risqué depuis le début quand vous êtes parti à la maison centrale. Donc, faut pas dire maintenant que. Donc, nous aussi, on peut pas perdre. Donc, on veut que au moins 300 millions quand tu payes ça. C'est ça que moi je te dis.
suis là, mon forêt sacré. Donc, allez, tournez. Et quand on te dit forêt sacré, tu connais ça très bien. Moi, je me suis suivi comme ça. Là. Donc, si vous payez 300 millions, il n'y a même pas, pas de retardement. Il n'y a même pas de retardement. Vous voyez, vous m'en rappelez même comme ça. Je me suis dépassé comme ça. Donc, on ne veut même pas passer. Actuellement, tout c'est contrôlé, quoi. Maintenant, voilà. Maintenant, donc, mais... même pas d'ici ça, si vous déposez ça, on va gérer ça rapidement. Donc, maintenant, écoutez, mais moi, j'ai quelle garantie que vous allez. Vous avez juste une forêt sacrée, je crois. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je n'ai pas de garantie que vous allez montrer. Vous compreniez? Non. Quand une fois que nous, on va aller, nous, on peut prendre l'agent sacré, on va vous montrer au garant. Ça, il peut déposer l'agent. Bon, maintenant, écoutez. Maintenant, si moi j'ai les 300 millions à mon niveau, hein, je vous montre à mon niveau, on ne vous donne pas des. Comme aujourd'hui, tu es parti faire retrait là, vous êtes parti faire retrait, tu as dit que vous êtes dispersé avec tes amis là-bas. Maintenant, si je garde à mon niveau, comme aujourd'hui, je n'ai pas confirmé les retraits là, je garde à mon niveau. Quand vous montre, je vous montre l'argent, que l'argent est disponible, je vous montre, c'est-à-dire je consulte, je montre mon compte parce que moi, mon compte, c'est un compte commercial, ça peut prendre jusqu'à les 300 millions. Je vous montre l'argent. Et quand je vous montre, mais je ne vous donne pas des. Parce que moi, je travaille avec mes patrons, vous comprenez? Donc, si je vous montre l'argent, vous voyez l'argent, vous aussi, vous montrez la position. Dès que vous montrez la position, écoutez, si je vous montre l'argent, que l'argent est avec moi, disponible, si vous, après vous montrez aussi la position, hein, vous dites qu'on est ici, l'équipe vient vous prendre là-bas sans vous faire de mal et régler le cas du grand là. Moi, je vous jure sur mes 5 prières, sur le Saint Coran. Je jure aussi sur mon Saint Coran. Wallahi billahi ta'allahi que vous allez partir partout où vous voulez, vous retirez les 300 millions là, vous partez. Je veux vous promettre ça. Mais je peux pas, je n'ai pas de garantie. Si vous acceptez ça, moi je vais parler à mes patrons. Vous lui dire. Voilà. Voilà, c'est fini. Je vais parler à mes patrons. C'est ce que je voulais. Alors, que les gens entendent. Solano. Oui. Solano. Oui. Il voulait qu'on joue. Je vais parler à mes patrons. Oui. Les 300 000. Déjà, tu vas lui demander c'est qui ses patrons. Moi, je vous ai dit, hein, la date, j'ai pas à me justifier ici. Alors, le contenu, il a reconnu. Ses patrons, c'est qui? D'accord. La date, je vous ai dit, la date d'accord. N'a pas d'importance. Le contenu, vous, il a reconnu, c'est le plus, c'est fini. D'accord, selon vous, on va écouter deuxième audio. Agis, tu peux dire quelque chose? Parce que là, on va écouter deuxième audio qui date encore, la date est là. C'est très important, parce que les gens demandent en bas de la date. Ce sont ses adeptes. La date n'a pas d'importance. Oui, on c'est pas la date qui parle. Écoute, Solano, faut même Solano. Faut même pas te ridiculiser. La date ne parle jamais. Moi, je peux modifier. La date ne parle pas. C'est le contenu de ses propos. Mais arrête de crier. Tu as pu jouer audio ici. Tu es là en train de parler. Exactement. Je n'ai pas parlé, mais arrête. Donc, Iragara, tu faut rester serein. Iragaraka, tu as raison, non? Reste tranquille. Arrête de patapata. Iragara. Je répète. Tu as mis ma voix, Oui. Hein, je suis resté calme. J'ai laissé tout le monde à écouter calme. Où bien? D'accord. Alors, la deuxième. Là, date, mon temps de parler arrive à Lunga, ouais. 17 novembre 2023, 9h17. Voilà. Audio, c'est 23 minutes. D'accord. Non. Attends, c'est pas 23. Non, attends. Alors, l'audio, c'est 4, il y a 4 minutes, 3 secondes. On va écouter ça. On va écouter tout d'abord. C'est 23 novembre. Oui, 23 novembre, vas-y. C'est 23 novembre. Non, c'est 17 novembre, ça. 17 novembre. C'est 17 novembre. Est-ce que tu veux qu'on écoute le 16? C'est ce que j'ai dit. Le 16, c'est PV, ça. Oui, est-ce que tu veux qu'on écoute le 16, le 17 à 2?
Oui, maintenant, écoute-moi. Ce que je veux qu'on éclaircisse. On m'accuse d'avoir vendu Pivi. On m'accuse parce que j'ai parlé avec des individus au téléphone. Tu comprends? Quand j'ai parlé avec Pivi, il y a eu l'information dans le gouvernement que moi, je sais où est Pivi. Des gens m'appelaient de partout pour me piéger, parler partout. Cet individu avec lequel je parle, d'ailleurs, dans l'affaire de Pivi, il y a eu beaucoup de raquettes dedans. Est-ce que tu comprends? J'ai joué un jeu ici, moi, avec cet individu que je parle, parce que lui, il n'a jamais voulu me donner un numéro pour que moi, je le contacte. Je lui demande la position. Est-ce que lui, il savait que où était Pivi? Lui, il ne savait même pas que moi-même, j'ai parlé avec Pivi, lui là. Lui, il m'accuse d'avoir vendu Pivi, ce qui est archi faux. Il n'a pas d'argument parce que c'est moi qui lui ai envoyé ces audios-là. Tu n'as pas droit à la parole. Si moi j'ai vendu Pivi, est-ce que moi je peux envoyer ces audios-là? J'ai rajouté à tout ceci. J'ai dit, attention, les gens sont en train d'extorquer des gens de l'argent pour dire qu'ils sont avec Pivi, qu'ils vont envoyer l'argent à Pivi. L'État a été escroqué avec beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils savent où est Pivi. Ce gars-là, c'était des arnaqueurs. Ces gars-là, c'était des frappeurs. Donc, moi, j'ai enregistré ça et j'ai insisté pour demander, me faire passer comme si je voulais avoir Pivi. Et deuxième aspect, je me suis dit que c'est l'État qui était en train de me piéger par l'intermédiaire de quelqu'un pour savoir réellement si je savais où est Pivi. L'audio là a été enregistré le 17. Moi, j'ai parlé avec Pivi le 16. Le 17, un individu m'appelle sur ma page pour me dire, « Grand, on a appris que tu cherches Pivi. Montre-nous où est Pivi. » J'ai dit, « Ah bon ? Montre la position. Tu veux combien ?» Il dit 300 millions. Qui n'a pas entendu qu'on a mis rançon de 50 000 dollars sur Pivi ? Pourquoi lui, il demande que 300 millions? Hein? Il demande qui est mes patrons. Moi, je suis un professionnel de la communication. Moi, Djibril, agis. Et tu ne pourras jamais, jamais avoir ce privilège que j'ai eu et que j'ai. Tu ne peux pas. Parce que Nayagida Nama, Nahontuna Nama, lui, il n'a pas été contacté quand Pivi parlait. Aujourd'hui, moi, Djibril, le CNRD m'a pardonné. Toute la famille de Pivi, toute la famille de Pivi, à commencer par Pivi lui-même, ils doivent me remercier, moi. Parce que j'ai parlé avec Pivi, je me suis abstenu. J'ai parlé avec Pivi, hein? J'ai parlé avec Pivi, je l'ai écouté. En ce moment, on a l'air de nous, CNRD, de Mounoufang. Je n'étais pas d'accord avec le CNRD. Et aujourd'hui, lui, il m'accuse que j'ai vendu Pivi. Qu'il prouve que j'ai pris l'argent. Qu'il prouve la date que j'ai vendu Pivi. Même mon arrestation au Sénégal, ici. Mon arrestation au Sénégal. On m'a arrêté pour dire que je sais où est Pivi. On voulait m'estrader pour m'envoyer en Guinée pour dire que je sais où est Pivi. Et on est au Sénégal. Si moi je travaille avec le CNRD, mon frère, est-ce que le CNRD va m'arrêter au Sénégal, me mettre toute cette liste, hein, de poursuites dans mon dos? Et Kambé Kotarne, et Kambé que tu es malin, tu veux prouver aux gens. Cet audio-là, je parle avec le petit, je demande la position, c'est moi qui parle, c'est lui qui m'a appelé. Beaucoup de gens ont racketté l'État. L'État a piégé beaucoup de personnes. Hey, quand on l'a piégé récemment pour lui dire qu'une fille a fait enfant avec le président, son excellence président Mamadi Doumbouya, je lui ai appelé, je dis, Ansou, attention, on t'a piégé. J'ai eu des sources. Même quand Dominique Guélibé, c'est mes informations que j'ai envoyées par l'intermédiaire, l'a envoyé lui. Sans qu'il le sache, parce que la mort
La mort de Sadiba qui s'est vendu sur la toile ici. Eh, il s'est vanté sur la toile. C'est moi qui t'ai donné l'info là. Il bout dans Rancolo. Quand Sadiba est mort, c'est moi qui... Attends. Maintenant, j'ai pas terminé. Il peut pas rester tranquille. C'est moi qui a parlé avec cet individu. Laisse-lui parler. Cet individu, par mes enquêtes au final, n'était même pas avec PV. C'était pas un élément de PV. Il n'était pas avec PV. Soit cet individu a été envoyé pour me piéger, pour avoir la certitude si je savais où était PV. Soit cet individu m'a été envoyé par d'autres personnes pour qu'il me soutire de l'argent. Est-ce que tu comprends? Et quand il s'est aperçu que je ne cédais pas pour lui montrer l'argent, pour lui donner l'argent, il ne m'a plus jamais rappelé. Et que l'État a eu la certitude que je ne connaissais nullement où était PV. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends, Solano? Très bien, on ne suit pas. Voilà. Maintenant, cet individu-là avec qui je parle, j'ai envoyé ces audios pour que d'autres personnes ne soient pas victimes des gens se faisant passer pour des gens qui détiennent PV pour prendre de l'argent avec des gens. Est-ce que tu comprends? J'ai envoyé ces audios-là et j'ai insisté. L'audio avec où je parle avec PV, moi-même, j'ai conversé avec Ansou Narafalabé. J'ai dit, j'ai parlé avec PV. Donc, aujourd'hui, il est en perdition parce que il n'a aucune arme contre moi. Il n'a rien contre moi. Il fait sortir ces audios-là parce que Ntoa Radama, il ne l'a pas écouté. Il l'a transféré, il l'a gardé avec lui. Au fait, il ne l'a pas supprimé. Il l'a transféré parce qu'à la conversation, là, c'est une dénama. Disparition. Sa conversation est sur disparition. Maintenant, pour ne pas que cela disparaisse, il a transféré les audios-là, il a gardé ça avec lui. Maintenant, il dit que j'ai vendu PV. Pour que les gens te croient que j'ai vendu PV, en sous, Kabara, il faut montrer la date des audios là. La date, parce que c'est sur la base du conversation avec l'individu là que tu te bases, que j'ai vendu PV. Maintenant, cette date là, Giramini, Itan, Guidat, parce que PV a été arrêté le 8 septembre 2024. D'accord. Est-ce que c'est bon? A été arrêté. Non. Quiconque dit que la date n'est pas importante. Est-ce que je peux donner la parole? Non. Ntamo Wendang Men. Il n'a qu'à faire sortir. Il y a les questions maintenant qui vont venir après. Maintenant, Michel, allez-y. Active le micro. On va l'écouter. Il ne faut pas l'interrompre. Non, on ne te reçoit pas. Vas-y. Ah, attends. Solano. Tu sais, lui-même, tu sais, il parle tellement qu'il est traumatisé, il dit que mon WhatsApp, c'est sur éphémère, quand une fois que tu finis, na date, ya kolona na kianaga, que j'ai transféré. Lui-même, il a répondu à ma place, j'ai même pas... Tais-toi. S'il ne répond pas à ma question, Sigamane, parce que j'ai posé une question. Tais-toi. J'ai parlé. Non, personne n'a parlé. Il n'a qu'à faire sortir la date. Tais-toi. Tu es embrouillé. Toi-même, tu dis que c'est éphémère. Tu es embrouillé. Tais-toi. Vas-y, Ansou. S'il te plaît, tais-toi. J'ai même peur de toi. Au moment, c'est-à-dire, lui-même, il a dit devant tout le monde. Pourquoi il a été accusé au Sénégal? Il n'a pas accusé KPC devant tout le monde ici. Tout le monde est témoin ici. Comment toi, tu viens dire, c'est dans l'affaire de PV qu'on a voulu t'extrader? Il faut respecter le peuple de Guinée. Tu fais des vidéos, tu as dit ça devant tout le monde ici. Que c'est l'affaire de KPC, voilà, qui a porté plainte contre toi. Tu l'as dit officiellement devant tous les Guinéens. Tout le monde est témoin ici. Comment toi, tu vas venir dire encore, ici, devant ce même public, que c'est dans l'affaire de PV qu'on a... Pourquoi tu mens? Il faut réfléchir. Il faut penser à tes enfants. Il faut penser à ta famille. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas question de date, mais le contenu. Adji, c'est grave ce que je suis en train de dire, mon frère. Toi-même, tu as dit ici devant Pipo, nous-mêmes, on s'est levé, on a fait des démarches
pour demander pardon à KPC. Toi, tu viens nous parler affaire de PV ici que le CNRD voulait t'extrader à cause de PV. Adi, il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut respecter toi-même. Qu'est-ce que tu as dit devant tout le monde après que tu allais dans le CNRD? Tu dis que tout ce que tu as dit, c'était des mensonges. Adi, moi, c'est le contenu là, c'est fini. Je n'ai même plus à discuter avec toi. Les gens m'ont demandé, voilà. Toi-même, tu viens de te piéger tout de suite là. Tu as dit encore que la mort de Sadiba a dit, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Ok? Il faut avoir peur de Dieu. Tu étais là, tu n'étais même pas en prison. Quand est-ce que tu es parti en prison, il faut regarder la mort de Sadiba. A dit, il faut avoir peur. Parce que tu travailles avec le CNRD. Vous n'allez pas avoir la source là avec moi. Tu es tellement perturbé aujourd'hui. Tu es tellement perturbé, tu penses que moi je suis un con, je vais venir, je vais dire, voici tel. Moi, l'information que j'ai donnée de Sadiba, aucun blogueur ne va prendre une information crédible pour donner à un autre blogueur. Namouraba Mabé, Ira Woule, Arasso, Ide. Sadiba est mort, tu étais là. J'étais le premier, la nuit, à annoncer ça ici. Ils m'ont devant le monde encore, tu viens mentir. Mon frère. Moi, je t'ai dit, c'est le contenu Birimbara Colon, les audios, les gens ont écouté. Solano, c'était un plaisir de passer ici, ok? Moi, c'était le plus important. C'est-à-dire, Didor Nyawori, j'ai même peur de ces mensonges. Ah. En tout cas, merci Solano, parce que les gens m'ont dit de partir. Mais non, pour ton respect, ne fuis pas. Je suis resté, j'ai écouté, la date. Ça a été montre un plaisir date. Pour moi. Montre le la reste, date. Le peuple de Guinée, non, les Guinéens date. Vont juger le montre reste. Montre la date. Allah, calme-toi. Je viens de te démentir combien de paroles. Montre la date. Gahou Alayara, ce n'est pas les barbes-là qui font quelqu'un d'incroyant. Ce n'est pas tes barbes-là. Voilà. Tu n'es que Misso. C'est toi le menteur. Solano, pour ton respect, je suis venu. Sinon, si c'est une question d'audience, j'ai l'audience, j'ai pas besoin. Tu n'es qu'un je suis menteur. Venu par le respect, je viens de... Un mytho, c'est moi qui t'ai envoyé ces audios-là. Que c'est un menteur. Iralfa Kondé, Iralfa Kondé, il en a protégé fait. Iralfa Kondé, Iralfa Kondé, il va répondre de ça. Il faut tout dire. Soit Iralfa Kondé. Moi, ça m'est égal. Écoute, tu sors même du contexte. Faut insulter le président. Qui peut modifier date? Voilà. Solano, montre la date. Comme je l'ai dit, montre la date. Non, ça a été un plaisir d'être là. Et je dis merci. Merci à la prochaine. Voilà. En tout cas, le menteur, je ne peux plus supporter. Tu n'es qu'un zéro. Non, un malhonnête. Tu trompes les gens aujourd'hui. Les gens qui te soutiennent, les gens de l'UFDG. Tu les as traités de moutons. Il a dit devant tout le monde. Il vient devant le monde, devant 4000. Mentir, il a dit que c'est KPC qui a porté plainte contre lui. Le même menteur encore vient dire ici que non, c'est l'affaire de PV. Non, moi, écoute. Tu n'es qu'un zéro, montre la date. Écoute ici, montre la date. La mort de Sadiba, tu as vu son jeu. Tu as vu son jeu, il pense que moi je suis bête. Non, si tu es vraiment un homme, montre la date. Celui qui m'a dit, il pense que je vais dire ici. Celui qui m'a dit. Montre la date, Mito. Calme-toi, Mito. Mito. Tu n'es qu'un menteur, Mito, montre la date. Monsieur Ansou, juste deux questions. Hein? Deux questions, Monsieur Ansou. Monsieur Ansou, deux questions. Il n'a qu'à montrer la date. Monsieur Ansou, montre la date. Laisse-moi poser la question. Oui, toi-même, tu dis au président Mamadi Doumbouya à vie. Président Mamadi Doumbouya à vie. Président Mamadi Doumbouya à vie. Solano. Oui, deux questions, s'il vous plaît. Avant de parler. Président Mamadi Doumbouya à vie. Agi, deux questions, s'il vous plaît. Oh. Pour ton respect, prochainement, si tu veux, tu peux m'inviter. D'accord. Mais pour aujourd'hui, pour ton respect, je te dis merci. En tout cas, il y a plus de 4500 personnes. C'est à ceux-là qui ont vraiment, ils ont, comment on appelle. Mais montre la date. Le cerveau et à la. Écoute. À date, Masengo. Le mot du Sabari. Mais il a pour le date, Masengo. Eh, vous le mot du Savary. Je souhaiterais vous inviter. Alors, c'est pas normal quand même, Agi, que tu parles. Monsieur Ansou, moi, c'était juste des questions. Moi, je vais vous inviter, en fait. Une invitation. Oui, oui. J'ai beau voulu, en fait, malgré que je n'ai pas entamé les démarches, c'est la question, en fait, que je vais poser deux questions. Est-ce que c'est parce que Agi, Sila, Djibril, qui a quitté le bord, comme votre bord à vous, qui vous a poussé en fait de venir en fait faire une sortie contre AG. Est-ce que c'est le cas? Deuxième question,
Est-ce que vous avez les dates, comme il a dit? Est-ce que vous connaissez, en fait, vous avez les dates concernant les audios? Voilà, ça peut te dire, depuis que le gars, il a commencé, lui-même il le sait, il m'a appelé, il le sait, il est là. Dieu seul est notre témoin. Me proposer de l'argent de quelqu'un, ici, son ancien boss, j'ai refusé, Dieu seul est mon témoin, il est là, lui il est là, j'ai refusé. Depuis ce jour, j'ai douté de ce gars-là. Il sait que moi, je l'ai même bloqué, il le sait. Adi le sait. Donc, quand, avant de dire lui-même, il dit que tous mes trucs sont sur éphémères et trucs là, j'ai pas besoin. Tu sais, c'est le contenu. Écoute ici, le contenu des audios, lui-même, il a reconnu. C'est pas à moi de juger. Écoute ici, ce n'est pas à moi de juger, c'est au Guinéen de juger le contenu. Maintenant, demande-lui. Allah, s'il te plaît, non, demande-lui combien de temps. Ça fait combien de temps il m'a bloqué? Ça fait combien de temps il m'a bloqué? Ça fait combien de temps il m'a bloqué? S'il te plaît, laisse-moi parler, mon gars. Après, tu auras tout ton temps, tu vas raconter tes salades. Et tu m'as dit que si moi je suis jaloux contre lui, quand il partait, moi en Suisse. Non, mais je n'ai pas dit que vous êtes jaloux. Voilà. Moi, j'ai même dit aux gens. J'ai dit qu'il peut aller. Demande-lui combien de temps il m'a bloqué, ça fait combien de temps? Demande-lui ça. Ayete Zuru. Solano. Oui. Solano, dis-lui. Dis-lui, quand il partait, moi j'ai fait une vidéo, ça y est sur ma page. J'ai dit, mon frère, bon vent. Mais notre inquiétude, c'est où les personnes qui te donnaient des informations, tiens, avec le CNRD, c'est la vie de ces gens-là qui nous inquiète. OK? D'abord, je vais te montrer. Pour te dire que moi, j'ai pas de haine. Combien de fois le gars là, il souffrait ici, il commandait. Moi, Ansou Damaro, j'ai fait des appels ici. Pour si tu es contre quelqu'un, si tu es contre quelqu'un, tu vas pas dire aux gens de dire la personne. Non, attends, Solano, va sur sa page. Les semaines passées là, tu regardes deux vidéos successives. Je peux parler. Il parle depuis 10 minutes là. Non, attends. C'est moi qui a posé la question. Tu as dit. Il a répondu la date. Tu m'as dit. Il faut le muter. Mute-le. Comment tu vas muter? Mute-le. Solano, il faut le muter d'abord. Il faut le muter. Non, mais c'est toi qui as demandé de poser la question concernant les dates. Je l'ai posé la question. Solano, mute-le. Je l'ai muté, vas-y. Voilà. Concernant moi, je ne fais qu'un réplique. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut se comparer à toi, tu peux aller sur sa page tout de suite. Tu vas voir deux vidéos où mes photos sont affichées. Un, deux. Et quand tu regardes mes vidéos, avant de sortir l'audio, j'ai dit, calme-toi. Ceux qui me suivent, j'ai alerté ici. J'ai dit, faites beaucoup attention. Malgré qu'il m'attaquait, moi, j'avais les trucs. J'ai dit, faites beaucoup attention à un blogueur. Tu vois, non? J'ai dit, il est dangereux. Je lui ai averti, il n'a pas compris. La deuxième vidéo sur moi, c'est là que je suis sorti. J'ai dit, Solano, wallah, j'ai plus de 40 audios de lui. D'accord. Alors, ça, c'est l'émission spéciale. Hein? L'exclusivité. Voilà. L'exclusivité. 40 audios contre Agile King. L'exclusivité. Moi, je vais me contacter pour une émission spéciale. Déballage. Non, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. J'ai 40 audios de lui. Selon ses comportements contre moi, je l'ai déjà dit officiellement. C'est là le gars, je vais lui descendre. Tous ses amis, là, ils vont comprendre que c'est le Balthazar des audios. Même quand tu lui dis bonjour, il va t'enregistrer. D'accord. Donc, moi, je suis un blogueur. Il pensait qu'il allait parler sur moi et que moi, je n'allais pas agir. D'accord. Moi, j'ai montré sa nature. D'accord. Parce que quand quelqu'un... Ok, attends. Solano, oui. Il est sorti, il a dit aux gens que moi je prends l'argent des gens. Et il n'a pas prouvé à quelqu'un, ni de preuve. Moi je n'ai même pas.